Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais prévu de vous faire un unboxing correct, mais mon appareil photo a décidé de faire de la merde. Alors je dois tout reprendre depuis le début avec mon téléphone portable en tant que vidéo. Alors c'était le deck Force of Will sorti début mars, il me semble. Donc les tomes perdus. Et donc on va regarder un peu ensemble. Donc déjà, la première carte qui est le rouleur. Hop. Donc Guillaume Mahat, empereur de la trahison. Donc comme on peut le voir. Hop. Lumière ténèbres au niveau des éléments. Et même si dans la carte elle fait assez ténèbres malgré l'espèce de halo autour de sa tête. Pardon. On a quelque chose. Au niveau de son effet, alors si ça veut bien faire le point, voilà, les pierres magiques que vous contrôlez peuvent produire n'importe quels éléments. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Mais ça, c'est en girouleur, comme un abruti. Et en rouleur normal, donc Guile à la mat, celui qui contrôle les tabous. Juste lumière ténèbres. Voilà. Donc pour la première carte. Donc après on va avoir d'autres cartes plutôt sympas. Vénus, mage de l'étoile de métal. Je vous laisse de toute façon mettre pause si jamais vous voulez regarder les faits. Voilà. Top. Ensuite, faible vision. Top. Donc je vais retourner à chaque fois pour éviter d'avoir les cartes différentes. Yola, demoiselle de la trahison. Donc, ah oui, au niveau des éléments, peut-être, ça peut être intéressant. Donc là, on avait une carte qui était d'éléments lumière. Ensuite, une carte d'éléments eau. Et une carte d'éléments nature. Enfin, feuille. Ouais, c'est bon. Et là, donc, on a Blazer, le voleur légendaire, qui est une carte d'attribut ténèbres. Top. Et ça, Ultra Pierre Magique d'Alamat. Et on produit. Produit. D'accord. Ça produit pas vraiment d'éléments. Ça. Bref. Voilà. Et donc après, on va retrouver Vénus en version non foil. Du coup, il y en a quatre exemplaires dans une foil. On va avoir Alizarith, chercheur chrono d'éléments feu. 1, 2, 3. 4 exemplaires. On va avoir Sylvia, la fille esclave, en non-foil aussi d'éléments feu. Peut-être si jamais vous voulez voir l'effet. Il faut que j'y pense. Non, 1, 2, 3, 4 exemplaires aussi. Saturneus, enchanteur de l'étoile de la Terre, en non-foil éléments eau. En 1. 2, 3 et 4. D'ailleurs, il y a une petite méduse, petite poulpe, plutôt poulpe qui est sympathique au-dessus. Donc, faible vision qu'on avait déjà vu tout à l'heure en foil. Donc, 2, 3 et 4 exemplaires. Jupiter, démoniste de l'école de l'étoile de bois, punaise. Donc, d'éléments nature. En non-foil, 1, 2, 3 et 4 exemplaires. Viola, demoiselle de la trahison, pareil, élément nature. Top, en non-foil, 1, 2, 3 exemplaires. Je pense qu'on en avait un en foil, c'est peut-être pour ça qu'on en avait 3. Blazer, le voleur légendaire, élément ténèbres, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Hop, et si jamais. Voilà, vous avez l'effet en 1, 2, 3 exemplaires. Et ensuite, Rachel, faiseur de contrat Néphilim, donc élément ténèbres, non foil, en 1, 2, 3, 4 exemplaires. Et on attaque les pierres, non? Toujours pas. Lichant.
Top, donc art interdit qui est d'éléments ténèbres, lumière, et qui permet de détruire un résonateur. C'est plutôt sympathique, mais sans plus. Top. Enfin, pour deux, ça va, franchement. Pour deux. Donc en 1, 2, 3 et 4 exemplaires. Et là, on attaque les pierres, du coup. Donc la pierre magique historique qui nous permet de produire n'importe quel élément, ce qui est plutôt cool. Dépenser cette volonté seulement pour jouer des cartes historiques. Ok, donc sinon, ça nous permet de jouer n'importe quel élément si on joue des cartes. Merde. Top. Des cartes qui ont historique dans leur nom, si ça veut bien faire la mise au point. Voilà, et sinon, on produit ténèbres ou lumière si on veut faire un jugement. Donc, bref. C'est ce qu'il faut de toute façon. Donc on l'a en 1, 2, 3, 4 exemplaires. On a une pierre de ténèbres, une pierre de feu, une pierre de lumière, une pierre d'eau, une pierre de vent. Voilà, au niveau des pierres, tout ça. Hop. Des cailloux, des ondines, oh pardon, des pierres ondines et Sacha, blop. Voilà, c'était la blague de merde. Donc voilà pour le contenu du deck Les Tomes Perdus sorti début mars en Force of Will. Alors pourquoi ce retard avant de vous laisser? Ce serait bien que je l'explique. J'avais demandé début février à mon fournisseur troyen de me les avoir et il a jamais passé la commande, que ce soit de ça et ni des boosters. Donc voilà. Donc pour le coup, je me retrouve avec plus d'un mois de retard. Et je m'en excuse fortement. Voilà. Là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à ciao, à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.